Bonjour Michel Zeynep, de première année Max Sciences-Ma. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une séance de soutien en démembrement. Pour déterminer le nombre d'éléments dans l'ensemble, le cardinal dans l'ensemble, on procédera de la façon suivante. On commencera par vérifier s'il n'existe pas une partition de cet ensemble et que le dénombrement des parties de cette partition soit plus simple que le dénombrement dans l'ensemble lui-même. C'est-à-dire, si on a la difficulté de compter les éléments de E, on peut la subdiviser en des parties, mais qui sont faciles à dénombrer. Et on applique la relation cardinal de E égale cardinal de A union B union C. Et comme ça, on trouve le résultat. Ou bien, lorsqu'il n'est plus possible de décomposer l'ensemble à dénombrer en partition, on s'interroge sur la nature des éléments à dénombrer, c'est-à-dire s'il s'agit d'une pélisse, ou bien des arrangements, ou bien des combinaisons, ou bien autre chose, soit le tracé de dénombrement, ou bien quelque chose d'autre. Dans chacun de ces différents cas, il existe une méthode spécifique de dénombrement. On va parler maintenant sur c'est quoi les pélistes. Donc les pélistes, on prend un exemple, soit un ensemble qui contient les éléments A, B, C, D, avec P égale à 3, on construit les pélistes de trois éléments, A, 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 ou bien A, A, B, ou bien A, B, A, et ainsi de suite. Alors, l'ordre dans lequel on choisit les éléments est considéré, c'est-à-dire A, B, A et B, A, A, et se compte de manière différente. Il peut y avoir des répétitions, c'est-à-dire on peut répéter le même élément, c'est-à-dire A, 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 ou bien B, 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 ainsi de suite. Donc, question, trouver le nombre de pélistes. Donc, la formule pour calculer les pélistes, c'est L à la puissance P, mais il faut noter ici que L, c'est le cardinal de E. On passe maintenant à les arrangements. C'est quoi un arrangement? Donc, sur le même exemple A, B, C, D, avec B égale 3, on construit des arrangements. Mais il faut remarquer ici que l'ordre dans lequel on choisit les éléments est considéré, l'ordre est considéré, c'est-à-dire A, C, B et B, C, A, ce n'est pas la même chose. Donc, il ne peut pas y avoir des répétitions. On ne peut pas essayer de trouver A, A deux fois, ou bien B, B, ou bien C, C, et ainsi de suite. Alors, la formule pour trouver le nombre des arrangements. Donc, pour trouver le nombre des arrangements, A, N, P, égale N multiplié fois N moins 1 fois N moins 2 fois jusqu'à P fois, c'est-à-dire N moins P plus N. Mais il y a une remarque lorsque P est égal à N. Donc, A, N, N, alors, dans ce cas, A, N, N, les arrangements, ce sont des permutations et leur nombre, c'est factoriel de L. C'est-à-dire N fois N moins 1 fois N moins 2 fois jusqu'à N. On passe maintenant à des combinaisons. C'est quoi une combinaison? Prenons le même exemple, exemple A, B, C, D avec P égale à 3. Et on construit des sous-ensembles de 3 éléments à partir d'un ensemble à 4 éléments. Donc, dans l'ensemble, on sait que l'ordre dans lequel on choisit les éléments n'est pas tenu en compte, eh bien, il ne peut pas y avoir des répétitions. On ne peut pas avoir ici A, A, ou bien B, B, ou bien C, C. Et on ne peut pas avoir l'ensemble A, B, C, c'est l'ensemble A, C, B, c'est l'ensemble C, A, B, et ainsi de suite. Alors, la question, comment trouver le nombre de combinaisons? Donc la formule est simple, c'est le nombre de combinaisons de NP, CNP, égale ANP sur factoriel de P. On a déjà vu la relation et cette relation. Pour obtenir un arrangement, il faut choisir l'ensemble et faire des permutations. Donc, le nombre pour
des combinaisons CCLP, et pour construire des permutations, c'est factoriel de P. D'après le principe de dénombrement, ANP est égal à CNP fois P factoriel. On passe maintenant à les exercices. Exercice numéro 1. Une femme a dans sa garde-robe 4 jours, puis 5 chemises et 3 vestes. Pour s'habiller, elle choisit au hasard un jour, un chemisier, une veste. De combien de façons différentes peut-il s'habiller? Donc, on remarque ici qu'on a 4 possibilités pour choisir un jour. Et ensuite, on a 5 possibilités pour choisir un chemisier. 5 possibilités. Et on a 3 possibilités pour choisir une veste. D'après le principe de dénombrement, on a la multiplication 4 fois 5 fois 3, ça vaut 60 façons. On passe à l'exercice 2. En informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères. Un bit, c'est quoi un bit comme en informatique? C'est un élément qui prend la valeur 0 ou bien la valeur 1. Avec le chiffre binaire, c'est quoi le chiffre binaire? C'est un octet. Combien de caractères peut-on coder? Vous voyez ici le schéma, ce tableau-là est un octet et on peut le remplir par l'ensemble 0 ou bien 1, c'est-à-dire chaque case, on lui associe soit 0 ou bien 1. Ce sont le nombre des applications d'un octet vers l'ensemble oméga. On a déjà vu que le cardinal, c'est cardinal de oméga à la puissance 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 8. On passe à l'exercice 3. On constitue un groupe de 6 personnes choisies parmi 25 femmes et 32 hommes. De combien de façons peut-on constituer ce groupe de 6 personnes? On choisit un groupe, donc ce sont des combinaisons. Donc on choisit un groupe de 6 personnes parmi la somme 25 plus 32. Donc c'est comme ça. Donc c'est une combinaison de 6 éléments parmi 57 éléments. Très bien. Et on fait des calculs. La deuxième chose, dans chaque des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec uniquement des hommes? Donc on choisit un groupe de 6 personnes parmi les hommes, l'ensemble des hommes, c'est 30. Donc on choisit 6, 32, 6. On fait des calculs. Pour B, des personnes de même sexe. C'est-à-dire l'ensemble, notre ensemble est constitué soit d'un groupe de garçons uniquement ou bien un groupe de filles uniquement. C'est-à-dire la somme de ces 36, c'est-à-dire 6 personnes parmi 32, plus O en langage combinatoire se transforme en plus. C'est 25, 6, c'est-à-dire 6 personnes parmi les femmes. On fait la somme. Pour C, au moins une femme et au moins un homme. Donc il est très compliqué. On passe à la négation. Donc la négation de au moins une femme et au moins un homme. Et uniquement des femmes, c'est-à-dire la négation de la première, I se transforme en O. Et la négation de la deuxième, c'est uniquement des hommes. Donc, le total, c'est 57 parmi 6 moins la somme. On passe à l'exercice 4. Une classe de 30 élèves et 12 filles et 18 garçons doit élire une communauté composée d'un président, un vice-président et un secrétaire. Combien de comité peut-on constituer? Remarquons ici que un comité est constitué de 3 éléments. D'accord? Mais l'ordre ici est intéressant. Un président et un vice-président et
un secrétaire. Une note touristique, qu'un secrétaire peut être un garçon ou bien une fille. Donc l'ordre, ce sont l'ordre quand il n'y a pas de répétition, dans les comités sont des arrangements. Donc il y a A33 comités possibles et on fait des calculs. Exercice 5, une heure contient cette boule numéro D de 1 à 7, on tire deux boules de l'ordre simultanément. C'est-à-dire en même temps. Quel est le nombre de tirages possible? Donc, on a cette boule et on prend deux. En même temps, ce sont des ensembles. De ces ensembles, deux éléments parmi sept. Donc, il s'agit clairement d'une situation de combinaison. C'est sept parmi deux. Et on fait des calculs. Quel est le nombre de tirages pour que la somme des numéros des boules tirées soit paire? C'est-à-dire l'ensemble qu'on peut former, c'est des paires. Donc, il suffit de tirer deux boules paires, parce que paire plus paire égale paire, ou bien on tire deux boules impaires, parce que impaire plus impaire est égal à paire. Donc, on a C2 parmi 4. Et c'est 2 parmi 3. Donc le nombre des éléments, les impairs sont 1 et 3 et 5. Donc 3. Et les paires sont 2, 4, 6. Bien. Donc pour 3, quel est le nombre de tirages pour que la somme des numéros des boules tirées soit impair? Pour qu'un nombre soit impair parmi ces boules-là, il faut choisir une boule paire et une boule autre impair. C'est-à-dire une boule paire et de tirer une boule impair. Si la multiplication, on analyse le combinatoire. C4A fois C3A égale à 2. On passe à l'exercice 6. Combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres de mot excellence? C'est-à-dire, combien de mots peut-on constituer à partir de ce mot? Donc, excellence, comme vous voyez, on a 10 lettres, donc 10 factoriels de 10. Et on a des lettres qui sont répétées. Par exemple, E, 1, 2, 3, 4. Donc il faut se diviser sur factoriel de 4. On a aussi L, deux fois, deux factoriels, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le résultat convenu. On passe à l'exercice 7. Combien de rectangles dans cette figure? Donc, qu'est-ce qu'un rectangle? C'est ici l'intersection de deux bandes, l'une verticale et l'autre horizontale, c'est-à-dire l'intersection des bandes. Par exemple, la bande de 4 et la bande CE, ils forment le rectangle coloré ici. Ainsi, deux rectangles se désignent par une paire de lettres et une paire de chiffres. Ici, c'est E24. Il y a une bijection entre les désignations et les rectangles. Il suffit de dénombrer les désignations. Donc, pour savoir combien de rectangles, on a la première case, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 fois 6, et on applique la relation, 5 fois 6, 30 sur 2 égale à 15. Multiplié fois le nombre des cases ici. 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 4 fois 5. 4 fois 5, c'est 20 divisé par 2, c'est 10. Donc 15 fois 10, ça vaut 150. Et plus généralement, la formule qu'on peut appliquer, c'est la formule suivante. Je vous remercie pour la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous souhaite le bon courage et bon courage.